Et bonjour à tous, on est de retour sur After Reject, nouveau mode qui s'appelle God Plan B. En gros, on doit looter un ticket et tuer la personne qui a le ticket. On est sur le serveur européen et comme vous pouvez le voir, il y a avec moi 4 personnes sur le serveur européen. Ce qui est un record pour ce jeu pour le moment, pour l'early access en tout cas. Donc on va bien voir ce que ça donne. Alors, je vais re-avoir un temps d'adaptation au jeu. Parle. Savoir pourquoi t'as décidé de faire n'importe quoi. Bah, on a des bandages, on a ça. Ce qu'il nous faut, c'est une arme. Et bien sûr, pas chercher de tickets, hein, ça m'intéresse. Aucunement de me faire. C'est pour rien, donc j'ai un putain de sniper à la con. C'est pratique. Ça, ils ont pas changé. Oh, y'a un gars. Ouais, je vis toujours aussi bien. Dans les arbres, surtout. C'est pratique. Allez, une petite recharge. Pas d'armes très intéressantes. Et j'ai un gars à côté de moi. Pas d'arme intéressante. Si, elle est intéressante pour ce sniper, mais je suis mauvais avec. Salut! Ah, mais par contre, ça, je suis moins mauvais. Tac. Salut! Une petite recharge. Ça se recharge vite en plus. Il m'a presque pas touché, son arme de merde. Et moi je l'ai tué. Voilà. Bon, premier kill, je retourne dans le jeu, je fais un premier kill. C'est pas une mauvaise journée. J'avais un pauvre Théon pourri, j'avais pas grand chose et j'ai réussi à le buter facilement. Mais bon, j'avais un Taikrayon qui est une arme qui est pas trop mal. J'ai plus de. Oh, une BD, hop là, impeccable. Par contre, il faut que je me recharge. Problème, c'est que maintenant il me faut de la bière pour me recharger. Alors, on a que de la merde là. Bon, on a fait un premier kill, on est content. On a encore des bandages, on les prend, ça c'est vital. Que de la merde, que de la merde. Ah, un petit. No more respawning, my children. Pas une arme de corps à corps. Ah, par contre. Il faut aller tuer le gars. Il reste 4 rebuts. Le ticket d'or est par là. Non, il est là-dedans, le ticket d'or. Bon allez, on va faire le beau jeu, on va aller taquer le ticket d'or. À moins que je préfère avoir ça. Et de la bière, ça serait intéressant, il n'y a pas de bière, on est dans la panade. Le ticket d'or est dans le bâtiment, il longe. Ah, il est là, hein. Il suffit de trouver une entrée. Il y a un grand coffre, on va aller chercher le grand coffre plutôt que d'aller chasser le ticket d'or. Ils ont changé l'interface, du coup ça m'a un peu perturbé, mais là c'est bon, ça va mieux. Je suis moins perturbé tout à coup. Il faut de la bière, il faut de la bière, il faut de la bière. La bière et un petit. Alors, il faut que je prenne l'arme un peu plus à distance. Que je la recharge aussi, parce que couillon que je suis, je ne l'avais pas rechargé. Alors. On va regarder un peu autour de nous, hein, parce que 5 secondes à découvert comme ça, c'est dangereux. Surtout que la zone va arriver. Un poulet, ça c'est cool. Un T3, ça c'est cool. Des armes. Oh là là, le bouquin, ça on a rien, donc on prend. On prend ça. Oh, il y a des trucs là aussi. Une arme de merde. Rester à l'extérieur de la zone pour le moment. Ah, on va changer de diapante. On a notre bière, la bière tant attendue. Je me rappelle plus quelle toucher. Eh merde, je me suis gouré.
C'est plus tout. C'est 9. C'est ça. Ouais. Désolé, j'ai failli gâcher un poulet pour rien. Voilà, on a notre bière. Maintenant que le ticket d'or est par là-bas, on va aller le chercher. Quatre buts. Est-ce qu'il y a toujours 4 buts? Je l'ai touché. J'ai touché encore. J'ai touché encore. Ah putain, je l'ai loupé. Hein, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai eu un bug de souris, un bug de clavier, ça c'était pas bon ça. Alors, il est toujours par là. C'est le dernier en plus. Hein. Bien joué Sébastien, ça c'était mal joué. Et merde, j'ai oublié de recharger. C'est ça mec. J'ai plus de balles dans celui-là. Faut que je ramasse des balles. Des balles. Et on va recharger la balle. On n'est pas bien, on n'est pas bien. J'ai plus de bière. Putain, pas la range. J'ai pas la range. Lui, c'est bon, c'est rechargé. On recharge lui. On prend les balles parce que des balles, on va en avoir besoin. Salut copain, toi aussi tu veux jouer à ça? Moi aussi je peux te toucher bien. Alors tac, donc on a dit. Il m'a même pas vu recharger mon poulet, il a même pas essayé de me tuer, ils sont sérieux les gars. Eh ben j'ai encore peu de balles, ça va pas moi. Oh j'ai loupé, t'es sérieux là? À cette distance j'ai loupé. J'ai touché. J'ai fait tourner la nappe sans le faire exprès, désolé pour la sensation de vomi. Et j'ai tiré à côté. Je l'ai touché. J'ai plus avoir de balles au bout d'un moment donc ça va se finir au point. C'était pas la bonne idée de recharger pour lui, mais bon. Parce que quand elle a pas la range. Voilà, je l'ai touché. Et merde, j'ai encore fait n'importe quoi. Hop là. Oh là là, on va crever tous les deux. Je l'ai touché. Il est dans le rouge, moi aussi. J'ai un point de vie. Je veux pas l'avoir. J'ai presque plus de balles. Ah, j'ai pas eu le temps de sauter pour éviter son tir. Game over! Oh, la petite voix, ça va me gonfler, par contre. Bon, j'ai fait éternel deuxième. C'est la partie. Bon. Et c'est pas trop mal, ce nouveau mode. Ça t'indique un gars, bon... Là le gars était guère trop fort mais j'ai pas farmé trop de munitions, j'ai pas les bons réflexes encore. Malgré que je connaisse le jeu et que j'y suis allé plusieurs fois. On va bien voir. Par contre il y a un peu de monde sur les serveurs européens, ça fait plaisir. Un peu d'avant. Alors, tac.
sais pas, c'est mieux. Donc je regarde le jeu, ça fait un peu moins. Je ne sais point, mon ami. C'est pas ce qu'il y a à gauche, je me rappelle plus. Match Found. Et match en Found, c'est bien. On a fait deuxième, hein, c'est pas top 1. Hein. Un top 1. Un peu plus de monde. Un gars de plus en réalité. Et en voyant. Good luck, mortals. Find that ticket. Ouais, par contre, qu'ils aient rajouté la voix de Dieu, je suis pas fan. Ça fait un couillon qui parle en plus, ça peut être intéressant. Bon là, il y a moyen de looter beaucoup de munitions, vu que j'ai un sac vert. Mais j'ai toujours une arme de merde. Alors, un poulet, hop là, fusil à lunettes. Ah, j'ai deux fusils à lunettes du coup. Il y avait un gars en bas, on va pas aller chercher la merde tout de suite. Prends des balles. Je vais aller par là. Il y a deux coffres donc. Je suis retombé dans la même zone de la carte. Alors on prend un tronc blanc pour une arme de corps à corps. On peut avoir une mitraillette. Ah non, on a cette espèce de merde, je préfère garder ce que j'ai. Je n'aime pas la distributeuse de bonbons, le distributeur de bonbons, non, je sais pas comment l'appeler. Il y a le nom de l'arme, mais je m'emmerde pas ici de... C'est pas ça que je voulais faire. Non. Encore un tromblon, on s'en fout, la loupe, on s'en fout pas. Dans le nord, il n'y a pas grand monde. Les petits points sur la carte, c'est les coffres. Une bombe, ça peut être utile. Enfin, les bombes. On va pouvoir les jumelles, impeccable. Qu'est-ce qu'on a là? Non, on a des munitions. Ah, j'aimerais bien avoir une autre arme. Arme. J'aime pas le sniper à ce jeu. Oh là là, on a une caisse bleue. Et on a du soin là-dedans avec. Alors on va prendre la caisse bleue d'abord. Ok. Oh, on a. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, les rollers. Je vais courir plus vite. Je prends la bombe et je prends le truc de soin parce que je préfère. Les bombes, faut savoir viser et moi, je sais pas viser. Là, il y a quoi? Pick-up, lance-disque, on s'en fout. Ah bah voilà, une arme qui m'intéresse. Revue, ça peut être intéressant, ça permet d'améliorer le temps de rechargement. J'ai pas pris énormément de balles, de grosses balles. Ça peut poser problème, mais de toute façon je peux pas en prendre plus. Alors, on descend. On a trouvé le ticket visiblement. Coffre, là il y en a moins. Alors à ce jeu, il y a des radars et tout, ça peut être intéressant de les utiliser, mais moi je les utilise jamais. Parce que je suis un peu. Sans doute. Je sais pas. Alors, tac. Oh, de la bière. La bière, c'est la vie. La bière, c'est la vie, et dans ce jeu, c'est littéralement la vie. Ah, j'ai entendu un gars marcher. Du coup, j'ai le tromblon au corps à corps, hein, qui est, je trouve, moins pratique que l'autre que j'avais tout à l'heure, mais l'autre que j'avais tout à l'heure, bah, m'a pas permis de gagner tout à l'heure.
Alors que le gars avait pas un niveau ouf, hein. J'ai vu des gens bien mieux, meilleurs à ce jeu. Là, ça, mais ça c'est normal. Face à tous les jeux. On continue de looter allègrement. Parce que on sait jamais, on peut tomber sur, eh ben, par exemple, une arme qui m'intéresse plus. Voilà. Donc généralement, je joue toujours quasiment les deux mêmes armes. Soit mitraillette bio, celle que j'ai là. Soit le taille-crayon sulfateur là. Et le lance. Le fusil à pompe que j'ai là. J'ai plus grand chose à looter. Faut juste chercher et voir si je trouve le ticket. Histoire d'attirer les ennemis à ma. Et par là. Coffre d'ouvert en tout cas. Porte d'ouverte même. Il y a les coffres là qui sont pas lootés. Même des coffres bleus. Peut-être que je peux améliorer mon stuff encore. Malheureusement. Ah si, il y a ça, ça peut être intéressant. Un petit T2, ça serait pas mal. Le ticket est apparu. Donc on va aller chasser du ticket. Attention rejects! Bullets now kill you dead for real! Don't die! On die. Bah si, je vais die, hein. Je die tout le temps. Bon, je cours vite, hein. C'est toujours l'avantage. Armoire à guidon. Oh, il est à l'intérieur. Pas très pratique. Je vois personne, mais moi je canarde, hein. Rien à foutre. On appelle ça. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Oh, de la bière, ça c'est cool. Salut! J'irai à côté, mais quelle âne! Et je cours dans le mur, c'est pas bon ça. Loupé! Tac 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 tac, alors hop là. Et merde, à chaque fois je me gourde. La bière c'est neuf. Je me rappelle, la bière c'est neuf. Rappelle-toi, la bière c'est neuf. Eh ben, je suis con. Allez, recharge. Tire dans les arbres, on va couper des arbres. Je fais n'importe quoi là, je vous avouerai. Réellement n'importe quoi. Ça va être trop loin sans rien voir, ça ne sert à rien. Alors. Qu'avons-nous par là? Salut! On a un mort de plus. En plus, il avait un T3. Merci. Donc, on a fait un kill encore. On est content. Voilà. Par contre, faut penser à recharger. Hop là. On pense à recharger l'autre aussi. Et on prend des munitions parce que tout à l'heure c'est un peu ce qui me manquait, des munitions. The ticket has been fumbled. Bon, ça me gonfle. Lui, il m'énerve. Ouais, il m'a eu. Quel boulet. Send Satan my regards. Putain, l'éternel deuxième, c'est bien moi, effectivement. Fermeture du serveur, on s'en fout du fermeture du serveur. Voilà, voilà. Éternel deuxième. Au moins le nom de la VOD est tout trouvé. Hein. Allez, continue en Europe. J'espère qu'il y aura plus de gens. Je sais pas si en Nord-Amérique il y a plus de monde. La dernière fois il y avait 7 personnes. Là en Europe, on est le soir, un vendredi soir. Les gens ont pas de vie sociale, donc pourquoi pas. Mais bon, encore deuxième.
Bon, ce mode du ticket, je sais pas ce que ça apporte d'avoir le ticket. Après, c'est plus pratique pour se trouver, quoi. Trouve le gars qui a le ticket, et là, du coup, tu trouves tous les combats. Mais avant, t'avais déjà les gros coffres pour ça. Vu que je l'ai jamais possédé encore, je sais pas trop ce que ça t'apporte à toi. Je veux dire, si ça t'apporte une résistance particulière ou quoi que ce soit. Pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à tuer un détenteur de tickets, donc. Va savoir. Va comprendre, Charles. Ouais, si je me décale un peu mieux, je suis plus centré. Je suis mieux cadré. Le cadreur fait pas son boulot. Par contre, le temps d'attente, ça n'a pas été diminué, ce qui est pas, c'est pas si mal. Je peux faire un long monologue. Intéressant, par contre, ça va être compliqué. Du coup, je me rends pas bien compte. On m'a dit que la caméra, en fait, quand je joue au jeu, je regarde comme ça, c'est comme si je regardais vers l'extérieur. Ben, je sais pas trop. Parce que de l'autre côté, à chaque fois, je pense pas à regarder, vu que j'ai déjà fait cet overlay il y a longtemps. Comment le positionner? À voir, à voir. Ah, on n'est plus que 3, ça c'est moins drôle par contre. Que le nombre augmente, je veux bien, mais si le nombre baisse, ça va pas être drôle. J'ai trouvé ça particulièrement triste. Ah bon, si on trouve plus de parties, enfin comme la dernière fois, on ira à North Amérique, priorité, parce que. Alright everyone, give them hell! Ah, par contre, j'étais bien content qu'il parle pas Dieu en fait. Ça me donne pas vraiment envie de jouer au jeu. Genre un petit barbu qui me dit ce que j'ai à faire. Pour aller au boulot. Non, je déconne. Ah là là. Que d'humour. Alors, on a looté un T3, ce qui est pas mal. Tout à l'heure, j'avais un T3, ça n'a pas fait la différence. Être bon, ça ferait peut-être la différence. Là, il faudrait que j'ai un coffre pour avoir du confort niveau armement. Un coffre, un sac, je veux dire. Là, il y a une banane, ça peut être intéressant. J'ai entendu un couillon, on va aller se rosser un peu. Pour se donner la confiance. Ah, salut. Laisse-moi recharger. Et ben, je tire à côté, Kellan. Oh merci. Merci. Je me soigne. Ah merde, je suis mort sur le premier combat. Oh là là. That looked like. Ah. Je repop. Ah oui, c'est vrai, tant que le ticket est pas trouvé, on repop. Ah, c'est ça la nouveauté de ce mode. D'accord. Tant que le ticket est pas trouvé, on repop. Donc du coup, en fait, il y a une période de loot. Là j'ai perdu mon T3 pour rien. J'avais pas compris la règle précisément. Je suis un idiot. Mais bon, hein. L'important, c'est pas de rester idiot, c'est d'apprendre de ses échecs. Et du coup, on a de la guitare électrique, on a du... Ah, cette arme-là m'intéresse plus. Ça c'est plus intéressant que la guitare électrique, je trouve, même si je l'utilise rarement. Hop là, tac, qu'avons-nous là? Donc du coup faut que j'attende que le ticket soit looté, sinon ça sert à rien de s'affronter, à part faire monter le compteur de kill, mais bon, moi c'est pas vraiment mon but. Mon but c'est de gagner, et il n'est pas vraiment atteint pour l'instant, vu que j'ai fait 2 fois second. Et que là, je viens de mourir sur un pauvre combat de tout pourri qui ne servait à rien ça ne servait à rien de le faire. Ouh, eh ben, commence à avoir des problèmes de dyslexie. Il va falloir consulter. Et je suis en train de rien lire, mais... Je comprends, c'est bien le problème. Je suis le seul à me comprendre. Alors, encore ce truc à bonbons. Et on a quoi comme arme secondaire? On a ça. À pompe, je préférais. Alors, on va prendre la bombe parce que même si on l'utilise pas et que pas viser avec, ça m'a déjà sauvé la vie, donc on va prendre ça.
Le seul truc plus fort que je m'autorise à prendre, c'est la boule disco, ce que le gars a utilisé tout à l'heure. C'est une zone de soins. Oh là là. On a le taille crayon en plus. Attends, non. Le taille crayon, même si ça me fait deux armes distance. Le ticket n'a pas été trouvé. Éloignons-nous pour le moment. Ah, bon, j'avais un T3 tout à l'heure, maintenant j'ai qu'un T1 tout pourri. Alors j'ai quoi? J'ai une revue, un T1, ouais, voilà. Pas top. Hop, j'aurais pris rien contre des baskets. Ah, c'est un T2 ça. Oui, il y a un gars qui a laissé un T2 en plein milieu. Sans doute qu'il en avait déjà un. On rassure pas des masses. Hein. Ah, le fusil à pompe que j'aime pas. Tant pis. On peut plus prendre de soins. La banane. Oh, le ticket. L'autre fusil à pompe. Nobody is coming back from the dead this time. La bière, merci. Ah, il y a un mec qui court, il y a un mec qui court. Ça reste pas mon objectif. Salut. Ah, il est trop loin. Il est passé entre mes balles. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était fort, j'ai trouvé. Voilà, je prends le fusil à pompe. Il est là, ticket de ses morts. Salut! Ah putain, j'ai pas la range. Aïe, alors. Salut, ça va? Ah putain! J'ai pas eu le temps de mettre ma bière, j'aurais dû mettre ma bière. Voilà, je baisse en niveau. J'étais deuxième, je passe troisième. La tristesse totale du gars. Alors, recherchons une partie. Peut-être que sur un malentendu, ça va mieux se passer. Du coup, je me pose la question, est-ce que je change mon overlay, je le mets dans l'autre sens ou pas? J'en sais rien. On va rester comme ça pour le moment. Bon. Je uploaderai les vidéos, je regarderai un peu plus en détail que là, c'est plus compliqué. Je veux jouer à Unreal Tournament. Bon, c'est bien dommage. Il n'y a toujours pas assez de monde sur ce jeu. Après, je pense que je mourrais à la chaîne s'il y avait beaucoup de monde. Mais bon. Voilà, c'est pas bien grave de mourir à la chaîne étant donné que... Tant que le ticket n'a pas été popé. Alors j'ai 1000 tickets, 1090 tickets pour le magasin et j'ai 43 tickets pour la tombola. Mais aucun des deux n'est intéressant réellement. Bon, voilà, c'est ni plus ni moins qu'un émule de des coffres. Oui, exactement, voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Après, le magasin, on peut acheter des trucs, mais c'est des trucs cosmétiques. Les trucs que j'ai lootés au début, là, la veste en cuir et le monocle, ça me suffit amplement. J'aime pas spécialement ça, la cosmétique, surtout dans ce genre de jeu. Genre de jeu Battle Royale où tu meurs toutes les 5 secondes. Non. Encore quand tu joues à un MMO, je trouve que c'est beaucoup mieux. Là. Ton personnage, tu soignes ses stats, tu soignes plein de trucs. Donc, la rigueur, mais bon, là, pour un genre d'accord. Mais bon, le principe, c'est qu'ils envoient des inconnus pour s'entretuer. Donc tu peux rester un inconnu, c'est pas mal grave, tu vois. Le but c'est pas de connaître à chaque partie, c'est vraiment un battle royale. Mais bon, c'est la norme pour ces jeux, donc du coup, de la cosmétique partout.
Enfin bon, ça marche sur les gens, il y a des gens qui achètent et c'est très bien, ça permet de développer des jeux sympas. Donc, voilà. Là, j'aimerais plus qu'ils développent la publicité pour qu'il y ait plus de gens. C'est vrai que là, on a fait un BG à 3 et j'ai fini 3ème sur 3, donc voilà. Après, on serait 50, je finirais 50 sur 50, hein, sans doute. Mais bon, disons que. Disons que j'ai fait deux bons shoots. Après, le problème, c'est que deux bons shoots, ça suffit pas pour tuer les gars. Un bon shoot, ça peut suffire. Hein. Surtout avec le fusil à pompe, si le gars a pas de gilet. Pour le moment, c'est pas le délire. Alors, on est trois encore. On est trois. On est trois. Ce coup-ci, je vais pas faire l'erreur de me faire tuer deux fois dans le même BG. Ah, la chance. Oui, plus le septième jour, t'as créé le chaos. D'accord, super. J'aime vraiment pas ce petit game. Mon œuvre, tout ça, c'est pas mon truc. Alors, avançons un peu. Alors, tac. Intérieur mitraillette, intérieur. Oh, un petit 1. Point. Voilà. Masse. Le soin de masse. On n'a plus droit au soin. Oh, la picouse, c'est bien ça. Je reprends ça parce que j'aime bien. Ça se recharge plus vite. Ça. Là, on prend la bombe qu'on n'a toujours pas utilisée assez partie. Je pense à l'utiliser quand même. Je vois que les autres l'utilisent pas non plus. Donc, ok, ok, ok. Pas ouf, pas ouf. Là, le ticket n'a toujours pas été trouvé. Yeah. Juste une petite bière. Il y a un autre coffre par là-bas. Je l'ai ouvert. Ah, un T2. Impeccable. Ça, c'est quoi? Munition. Ah ouais, on va garder la bombe. Promis, je l'essaye au prochain coup. Ah, un petit coffre bleu. Que va-t-on douter? Ah, une bombe de soin. Et si je l'utilise pas, ça sert à rien. On va la garder et je l'utiliserai ce coup-ci. Enfin, j'essaierai. C'est un peu loin pour moi, il est à côté du R, comme dire. No more respawns, idiots! Don't get shot, okay? Donc là, on va continuer de looter. Parce qu'on va pas se formaliser pour un seul gars qui a cliqué. S'ils veulent s'entretuer, ça les regarde. Moi, il me faut un peu mieux. Voilà. Non, c'est pas ça. Je croyais que c'était un bouquin. Pardon, autant pour moi. Je lirais un peu plus. Ça serait pas mal. Un T2, j'en ai déjà un. Le gars se balade et il est parti se passer au milieu de la carte, c'est moi. Je peux pas se dégager de là. Ah, il y a un méga coffre. Bon, je pourrais aller tenter le méga coffre, mais. C'est pas le délire pour le moment. Je vais pas trouver de bière.
Ah, j'ai trouvé des chaussures. Je courrais un peu plus vite. Hein. Ça peut être pas mal pour dans certaines situations. Pas de bière. C'est de la bière qu'il me faut. C'est de la bière qu'il nous faut. Le gars se rapproche de moi, ça me stresse. Ah, j'ai un tremblant déjà. Bah, il est à côté de moi. Hein. Donc, on va aller par là. On va s'en éloigner. Voilà. Ah, il y a un poulet. On ramasse le poulet, c'est ça. Même si le poulet, c'est un peu le. C'est un peu le. C'est le gros soin, mais il faut vraiment avoir, avoir du temps, quoi. Un peu le piège à con aussi. On a la zone, on est dans la zone. On va looter cette dernière caisse. Et ça valait le coup parce qu'il y a des baskets vertes. On ressort. Là, ça a été looté. Et je peux pas passer par là, bien sûr. Le coffre en bas, on va essayer d'aller vers le coffre. Si on croise le gars, on va essayer de le buter aussi. Mais... Il est là. Pas la range, j'ai pas la range. Pas tiré, ça sert à rien. L'armoire à guidon arrive, merci. Pas remarqué, mais ça fait plaisir. Je me suis un peu gouré de d'armes, hein. C'est pour ça que j'ai fait ça. Merci, plus d'armes. Tu peux me laisser me recharger tranquille, toi? Salut! Tu vas bien? Moi aussi, j'ai le même genre de truc que toi. On suce la zone pour se garder là, pour se recharger. Et il va venir, il va venir. Voilà, il est venu. On s'en fout. Voilà. Merde, j'ai changé d'arme sans le faire exprès. Tu m'emmerdes, toi. Tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Tu sais ce que ça veut dire, tu m'emmerdes? Toi aussi tu m'emmerdes. Merde, je suis coincé contre. C'est chiant ces piliers là, putain. Je suis mort comme une merde. Alors lequel va gagner? Je me laisse coincer par les piquets, c'est un peu chiant quoi. Et voilà, donc il a gagné. Je suis pas déçu, je suis déçu de ma prestation bien sûr, mais je suis pas déçu parce que celui qui m'a tué a fini premier quoi. C'est un peu dommage. Je vais recharger une partie. Eh ben, continuons dans notre malheur. Ah, la partie est déjà lancée, c'est cool ça. On n'a pas attendu trop longtemps sur ce coup-ci. Sur ce coup-là. Sur ce coup-là. Ah, toujours trois types. Oui, on sait. Salut. Salut copain, salut copain. Salut copain, salut copain. Kill everyone, but don't touch yourself. That's a sin. J'ai un bloc. Ça roule.
n'a pas été très efficace à la partie d'avant. J'ai fait deux fois deuxième, deux fois troisième. Et quand j'ai voulu balancer une bombe, j'avais oublié que j'avais la bombe de soin. Donc, y a pas à dire, je suis sur un niveau opti. Niveau de merde, bien optimisé. Alors, tout au bout là-bas. Ah, couteau grip, hein. Ça c'est bien. Voilà, là on a notre stuff d'armes. Je me demande s'ils vont sortir d'autres armes. Parce que là, ils ont. C'est ça, c'est toujours en développement. Ils tentent des trucs, la preuve, on a le mode qu'on avait. On me demande au niveau des armes. J'ai de la bière. Oh, j'ai encore de la bière. Ça, c'est bien, ça. Fais-moi de la bière. Non. Pas le mur. Le mur, c'est de la merde. Regarde la carte. Du coup, ça ajoute automatiquement une période de loot. Pas mourir tout de suite, ce qui peut être intéressant. Mais non, moi je trouvais déjà le jeu assez vif et sympa comme ça. Hein, pas besoin de. Après c'est peut-être plus intéressant. Toujours plus intéressant vu que le jeu est prévu pour 50 personnes en même temps. S'il y a 50 personnes, effectivement. S'il n'y a pas 50 personnes. C'est pas des masses. Le désert quoi. Ou des lunettes. Bah non, on commence à stuffer pas mal. On n'a pas de T1 ou de T2, mais. Oh, je vois une autre bière qui m'appelle. Bière, c'est la vie. Oh, trois trucs en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sac? Ça serait bien. Ah, un T2, ça c'est bien, on n'en avait pas. Déjà ça, donc. Alors, j'ai oublié entre les temps. Ah, un autre, ça c'est bien, comme ça, plus de munitions. Un poulet, ça peut être bien si on a le temps de se soigner. Ce qui est loin d'être le cas d'habitude. Tac, hop là, on change d'arme, on est en intérieur. Mieux. Le ticket est là. Attention rejects! All deaths are permanent now! Et je vais à l'opposé du ticket, effectivement. Hop là. Est-ce que j'ai envie de continuer à looter? Ouais. Hop là, un autre truc là. Oh, un poulet. Donc bah, on loot de la vie, hein, on loot de la vie quand même. Bon, la musique, je trouve la musique toujours aussi bien. Hein. Looté là. Il a laissé ça, ok. Et que le ticket va arriver là. Il déplace vers moi, cette espèce de con, c'est moi qui hallucine ou c'est. Il va se déplacer par là-bas. Là. Je vais aller au coffre, on va essayer.
Ah bah il est derrière moi. Ah c'est lui. Ah je l'ai touché vite fait mais c'était un peu dégueulasse. Oh il m'a touché avec ça. Ah c'est vrai, j'oublie tout le temps de faire anticiper la range avec ça. Tu veux jouer? Bah joue. Ah merde, la range, Sébastien, la range. Respecte la range. Respecte-toi. Oh putain, il a deux trucs de corps à corps. Mais évitez ce con. On va pas faire du corps à corps avec lui, il a deux trucs de corps à corps, c'est un peu dangereux. On le touche deux fois. Si, viens faire du corps à corps si tu veux. Moi, je suis pas contre. Hein. Carrément contre, mais ça, c'est pas censé savoir. Attends, c'est 9. Oui, c'est 9. Eh, sérieux? That was a quicker death than you deserve, but... Le temps de chercher, là, oh là là, j'ai encore mort et j'ai fini deuxième. Oh là là, quel boulet. J'y arrive vraiment pas, hein, pas aujourd'hui encore. Toujours ce 9 là. Du mal. Mais bon, on s'amuse ce jeu. Même si on est nul, on s'amuse. Donc, ok. Tac, tac et tac. Alors, cherchons une autre partie. On va encore se retrouver à 3. Ce qui est un peu dommage. 3 petits Européens. Oui. Bande tes muscles. Que t'as pas. Une photo, joue avec ton arme. Oula, ça met du temps comparé à tout à l'heure. J'ai fini deuxième pour la 50e fois, je sais pas. J'ai été con parce que j'oublie l'espace pour esquiver, j'aurais pu esquiver. La bière, c'était pas le moment, voilà. Pas encore les bons réflexes. Il trouvera les bons réflexes, il trouvera. Un fond de mes plus profondes ressources. Un jour, peut-être, j'aurai les bons réflexes. Et agir comme il le faut. Donc, en Europe, il n'y a plus personne. North America, alors, hein, on est parti. Apparemment, en Europe, il n'y a plus personne, il ne trouve plus de parti. Faire le tour, hein, comme la dernière fois, ce qui est possiblement chiant, mais possible. Mmh.
Aïe aïe aïe, ça sent le pâté. Américain, ça sent le pâté aussi. Et voilà les raisons pour lesquelles ce jeu va avoir du succès. Courte, c'est sympa. Et on a personne. Bon, si j'ai une early access, hein, peut-être que quand le jeu sortira officiellement, ils font des pubs. Mais quand même, ça sent un peu le sapin pour lui, quoi. Ah, match tombe. J'ai été mauvaise langue. Voyons ce qu'il y a comme monde chez les Américains. Ah, ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on est 8. Je crois que c'est le record. Maximum, j'ai été 7, je crois. Donc 8, incroyable, mais vrai. Donc on va mourir. Round one. Sans doute très vite. Heaven awaits one of you. On a pas d'arme. Donc comme tout à l'heure, on va fuir le combat au départ. Hein. Oh, une arme. 30. Et la deuxième arme intéressante. Faut vraiment que j'apprenne à viser avec ce putain de fusil à pompe. Parce que là, tout à l'heure, en un coup, il m'a tué. J'étais bloqué en train de boire ma bière. Le mec, il est en pleine bataille, il boit une bière, tranquille. Au milieu, sans cover. Donc, il y a bien sûr, il y a un gars pas loin. Hein. Là, on est 7, il y a plus de chances de croiser du monde. Hein. Ça augmente les chances de se faire tuer, mais ça aussi. Ça augmente aussi les chances de faire des cas. Au moins vérifié la dernière fois. Plus que moi, parce que je faisais en moyenne un kill à chaque partie, ce qui était sympa, hein, parce que pour moi, qui avec moi. Ne serait-ce qu'un, c'est sympa. Alors. Mais il y a quelqu'un qui est déjà rentré dedans. Tel crayon parce que je préfère. La bière, ça serait bien. Pas de bière, c'est pas bien. Et là, c'est bizarre. Loupe. Petite loupe. Pourquoi pas? Je passe devant une fenêtre, ça va. On peut regarder. Bon, on n'a pas de poulet, le ticket d'or est trouvé. Respawns are hereby suspended. Ok. Dieu, c'est mort. Ok, petit barbu bizarre. J'entends bien ce que tu dis. Oh, salut à toi. Il n'y a que des armes de merde, lui. Je vois pas, hein, donc je tire au pif, je sais. T'es rentré là-dedans. Je sais pas où t'es parti, mais j'espère t'avoir fait fuir, moi. Moi, tout ce que je cherche, c'est des munitions, maintenant. Un sac, ça serait bien. Un T1 ou un T2, ça serait pas mal. Encore mieux. Ah oui, je referme la porte. J'ai eu un petit lag, du coup, quand j'ai appuyé sur le bouton, ben, je m'en suis pas rendu compte. Ah, ben voilà. Ah, on est hors de la zone. Ça, c'était pas une bonne idée, de ma part. On remédie à ça tout de suite. Quand on traverse des maisons, on peut prendre le fil à fond. Ah, il a changé de main.
Le gars qui avait le ticket s'est fait dessouder, c'est pas mal ça. Je vais avoir un loot un peu mieux parce que... Ah, ça tire non pas loin. Je m'en fous. Plus qu'un kill, oh là là. On est encore bien trop grand. Vivant, pardon. 5, oula, ça se dessoude là. Ok. Oh, il y a du son. Ah, il était là le ticket. Ah, première fois que je trouve le coffre du ticket. Je crois quelqu'un qui tire. Il y a un T1 là, ça m'intéresse. Merde. Le T1. Congrats on that ticket. Et merde, j'ai le ticket sur la gueule. Et ben pourquoi je peux pas changer d'arme? T'es con ou t'es con? Merci. T'as tué mon ennemi, juré. Ah, il est venu sur moi. Putain, j'ai rien pour me charger en plus. Ah, si j'ai des... Ah, j'ai voulu me mettre dans l'angle. Ah, rang 3. Ah, mais il restait un autre gars. Mince. Voilà. Donc, on va faire quitter la partie. Et je vais arrêter la VOD en vous offrant un petit sourire. Et je suppose que ça va être Éternel Deuxième, le nom de cette VOD. Bien parti pour ça. Un petit sourire.